Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'apprendre une des plus grandes introductions de chansons de tous les temps, un grand classique que tous les guitaristes doivent connaître à la guitare. Je veux parler bien sûr de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. C'est vraiment une introduction mythique et donc je me devais de vous proposer un tutoriel sur cette chaîne. Avant qu'on commence, et comme d'habitude, je vous ai mis la tablature de cette introduction dans la description de la vidéo. Vous pouvez la télécharger gratuitement, il suffit de cliquer sur le premier lien qui apparaît dans la description. Ok, si vous êtes prêts, eh bien on est parti pour le tutoriel. Alors cette introduction de morceau, on va la jouer au doigt et en arpège, mais avant ça, je vous propose de voir ensemble les différentes positions d'accords à connaître et on passera ensuite à l'arpège. Alors le premier accord de cette introduction est un accord de La mineur qu'on va jouer comme ceci. Donc on a l'annulaire à la 7e case de l'accord de Ré, et avec l'index, on va venir faire un mini barré sur les 5e cases des cordes Sol, Si et Mi. On va ensuite avoir un accord de La mineur Ad 9 avec une basse Sol dièse qu'on va jouer comme ceci. Donc cette fois, on a le majeur à la 6e case de l'accord de Ré. On garde toujours ce mini barré sur les 5e cases des cordes Sol, Si et Mi avec l'index. Et on va rajouter l'auriculaire à la 7e case de la corde de Mi aigu. On va ensuite avoir un accord de La mineur 7 avec une basse Sol. Et pour ça, on va lever le majeur. On va inclure la corde de Ré sur notre barré avec l'index, et avec l'auriculaire, on va venir jouer la 8e case de l'accord de Mi aigu. On va ensuite avoir un accord de Ré majeur avec une basse Fa dièse, qu'on va jouer comme ceci. On a ensuite un accord de Fa majeur 7. Un accord de Mi mineur 7. Et enfin, un accord de La mineur qu'on va jouer en accord ouvert comme ceci. Alors, je récapitule les accords. On a l'accord de La mineur qu'on joue comme ceci. L'accord de La mineur Ad 9 avec une basse Sol dièse. L'accord de La mineur 7 avec une basse Sol. L'accord de Ré majeur avec une basse Fa dièse. L'accord de Fa majeur 7. L'accord de Mi mineur 7. Et enfin, l'accord de La mineur. Ok, maintenant qu'on a vu les accords, je vous propose qu'on passe tout de suite à l'arpège. Alors le morceau commence avec un slide de la 5e à la 7e case de l'accord de Ré avec l'annulaire. On va ensuite se mettre en position de La mineur comme on vient de le voir et on va dérouler l'accord avec index, majeur, annulaire. Donc ça fait. Une fois qu'on est là, on va se mettre en position de La mineur Ad 9 avec une basse Sol dièse et on va pincer en même temps l'accord de Ré et l'accord de Mi avec le pouce et l'annulaire. Puis on va venir jouer l'accord de Si avec le majeur, corde de Sol avec l'index et à nouveau l'accord de Mi avec l'annulaire. Donc ça fait. Une fois qu'on est là, on va se mettre en position de La mineur 7 avec une basse Sol et on va refaire exactement la même chose. Donc on pince l'accord de Ré et l'accord de Mi en même temps. Corde Si avec le majeur, corde Sol avec l'index et corde Mi avec l'annulaire. Depuis le début, lentement, ça donne ça. Une fois qu'on est là, on va passer sur l'accord de Ré majeur avec une basse Fa dièse et on continue toujours la même chose. On pince l'accord de Ré et l'accord de Mi en même temps. On joue l'accord de Si avec le majeur, corde Sol avec l'index et corde Mi avec l'annulaire. On passe ensuite sur l'accord de Fa majeur 7. On va pincer l'accord de Ré et l'accord de Mi en même temps. Et on va faire corde Si avec le majeur, corde Sol avec l'index
Et là, au lieu de jouer la corde Mi, on va rejouer la corde Si. On marque un silence et on va faire corde Mi, corde Si et corde Sol. Donc ça fait ça. Silence. Une fois qu'on est là, on passe sur l'accord de Mi mineur 7 et on va pincer en même temps l'accord de La, l'accord de Sol et l'accord de Si avec le pouce, l'index et le majeur. Et on va faire ça une fois. Puis pour terminer, on passe sur l'accord de La mineur et on va pincer ces mêmes cordes deux fois. L'introduction lentement, ça donne ça. Une fois que vous avez joué ça une première fois, vous allez pouvoir recommencer, mais on va rajouter une petite transition entre les deux parties. Et la transition consiste à faire ça. On va jouer l'accord de La à vide. Puis avec l'annulaire, on va venir faire un slide de la deuxième case de l'accord de La à la huitième case de l'accord de La. On joue ensuite la septième case de l'accord de La et l'accord de La à vide. Une fois qu'on est là, eh bien on va reprendre l'arpège sur l'accord de La mineur comme tout à l'heure, index, majeur, annulaire. Donc ça fait ça. Voilà pour cette magnifique introduction de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à vous abonner à ma chaîne et à me laisser un petit like sous cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous rappelle que vous avez la tablature à télécharger dans la description de la vidéo. Un grand merci d'avoir suivi cette vidéo en entier et quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !